Donc, bonjour, moi c'est Nikita Maratier, j'ai 31 ans, une petite fille de bientôt 8 ans. Et ça fait plus de 6 ans que je collabore avec Moder, je vis dans le sud de la France. Avant Moder, j'étais directrice de magasin de prêt-à-porter. Ma petite était vraiment toute petite. Et un jour, c'est mon chéri qui m'a dit « J'ai une amie qui fait un truc, j'ai pas très bien compris, tu devrais te renseigner. » Et donc voilà, j'ai pris les informations. J'ai été très sceptique. Je me suis dit, ça peut pas exister, ça peut pas fonctionner comme ça. Il m'aura fallu un mois pour prendre la décision de me dire, allez, c'est le bon moment, je dois sauter le pas. Et après tout, j'ai vraiment rien à perdre, quoi. J'avais tellement plus d'espoir en rien que finalement, c'était vraiment mon dernier espoir de vivre mieux, en fait. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps en famille et j'ai vraiment démarré Moder pour faire un restaurant en plus par mois et pouvoir gâter un peu plus ma fille. Et en fait, j'ai gagné tellement plus que ça. Alors oui, il y a l'argent, bien sûr, mais j'ai gagné un nouveau mode de vie. Maintenant, j'ai du temps pour ma fille, je peux travailler de partout librement. J'ai jamais autant voyagé que depuis que je suis avec Moder. Et vraiment, en fait, ça a tout changé pour moi et ça a changé la femme que je suis devenue surtout. C'est-à-dire qu'au début, on se lance et on n'imagine pas une seule seconde tout ce qu'on va pouvoir vivre, en fait, tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qui va découler de juste une décision. J'aime tous les produits, la façon de voir les choses, la façon d'aider les gens. J'aime en fait pouvoir avoir cet impact positif et Moder nous aide à avoir cet impact positif. Déjà par les valeurs de Moder, tout simplement, du corporate aussi, c'est vrai qu'il y a un super corporate. Et Moder nous permet vraiment, c'est un véritable véhicule qui nous permet de rêver grand, tout simplement. Donc ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, de sortir de cette zone de confort pour au final l'élargir, de faire des choses qui me terrorisaient avant. Ça change tout, ça change vraiment tout et c'est difficile à expliquer comme ça, il faut le vivre en fait, tout simplement. Je dirais que la vie est très très courte, qu'à tout moment, tout peut s'arrêter et que s'il ne fait pas les choses maintenant pour lui, il le regrettera toute sa vie. On ne perd rien en fait à prendre une décision, on ne perd rien à essayer. Franchement, on dit tout le temps qui ne tente rien n'a rien. Moi, je dirais plutôt qui ne tente rien ne vit rien. Et c'est là toute la différence. Donc, si quelqu'un hésite vraiment, je dirais n'hésite plus et fonce.